C'est une espèce qu'on retrouve beaucoup plus dans les milieux tropicaux. Utilisée pour venir à bout de plusieurs mots, le moringa fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Le moringa, on en parle dans ce nouveau numéro de la rubrique Entretien sur Café Carrefour. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être une fois encore des nôtres. On reçoit dans ce nouveau numéro le professeur Joshua Idasi. Il est américain, d'origine tanzanienne, spécialiste de l'agroforesterie. Good morning. Good morning, Monsieur Mevo. Voilà. Comme vous pouvez donc le comprendre, le professeur est américain, donc il va s'agir encore de l'anglais par ici. Avec le professeur, on va parler plus amplement du moringa. De quoi s'agit-il en réalité? C'est ce dont il sera question au cours de ce numéro de la rubrique Entretien. Alors, professeur, on va commencer tout de suite le moringa. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que le moringa dont on parle si tant aujourd'hui? Moringa is a drought-resistant tree, which is very good. Le moringa est un arbre qui résiste très bien à la sécheresse. Il est donc très important ici dans les tropiques, en Afrique et en Asie. De plus, il a de nombreuses propriétés nutritionnelles et médicinales. Rich in medicinal elements which are helpful to the mankind. À part le moringa, nous avons aussi d'autres espèces naturelles qui ont ces propriétés-là. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du moringa? What we have found in research and the literature is the four parts of these plants are all contributing to its benefits. Ce que nous avons trouvé dans la recherche et la littérature, c'est que les quatre parties du moringa nous sont utiles. Les feuilles sont pleines de vitamines, c'est important pour la santé. Les graines produisent de l'huile, qui est bonne pour la santé également. Et ce qui reste, le tourteau, permet de purifier l'eau. Les racines ont des propriétés médicinales très utiles pour soigner la goutte. And then the roots also very good in medicinal property because they are used to help gout. Moringa has another benefit, which is not le moringa to humans, peut également to bénéficier life, aux animaux. Si on nourrit les animaux avec le moringa, on permet de réduire les attaques de parasites. Au-delà des bénéfices nutritionnels, le moringa permet d'améliorer la fertilité des sols. They can be used to improve the soil fertility. One more benefit which moringa has been said to give to us human beings is mothers with young children. Un autre bienfait du moringa pour les êtres humains est l'amélioration de la lactation pour les femmes qui allaitent. Il en va de même pour les animaux. La production de lait est augmentée. And also the same with animals who are feeding on moringa leaves also have the possibility of increasing milk production. Professeur Joshua, dites-moi présent, d'où est partie cette découverte-là, de ces nombreuses potentialités, de ces nombreuses vertus dont regorge le moringa? There are many literature which has been written about moringa benefits, but when they were feminine in Ethiopia and in some il y a beaucoup de littérature sur les bénéfices du moringa. Quand il y a eu la famine en Éthiopie et dans d'autres pays d'Afrique de l'Est, certaines organisations non gouvernementales ont fait des recherches sur le moringa et la malnutrition pour nourrir les enfants et leurs mères. HIV/AIDS, which you call SIDA. When HIV/AIDS started in Africa, de plus, lorsque l'épidémie du SIDA a commencé en Afrique, le moringa est devenu très célèbre pour aider les malades qui devenaient très faibles, qui mouraient de cette faiblesse. Le moringa est devenu reconnu pour ses qualités nutritionnelles pour aider leur récupération. Going to farm. Nous voyons que le moringa est très utile pour l'être humain
de façon générale. Alors, est-ce que ça a également un impact sur l'environnement? Yes, Moringa has been said to improve the environment. As we are sitting here, le Moringa améliore l'environnement. Par exemple, assis ici dans le jardin de Monsieur Akuta, nous sentons un petit peu de fraîcheur. Le Moringa améliore le climat. So, Moringa can ameliorate the climate in a way that it cools down where there's heat. The other important benefit is the ecosystem. Un autre bienfait du Moringa est celui qu'il apporte à l'écosystème. Par exemple, les abeilles sont attirées par les fleurs du Moringa et on peut produire un miel plein de bons nutriments qui se vend très bien sur le marché. Honey is selling very well in the market because of the property they get from the flowers. On a parlé des bienfaits du Moringa sur l'être humain, on a parlé de la nature. Alors qu'en est-il en ce qui concerne la recherche scientifique? This is an important point because that's where Dr. Moa is here with me. Back in the United States, we started several studies using his laboratory to look at how Moringa can affect. C'est un point très important. Aux États-Unis, nous avons utilisé le laboratoire du Dr. Moa pour faire des recherches sur la densité de l'os chez les seniors. Et le Dr. Moa a beaucoup communiqué à ce sujet. Le Moringa apporte beaucoup à toutes les tranches de vie. Les seniors, les adultes, les jeunes enfants, tout le monde peut profiter du Moringa. From adult, middle-aged people to even young infants. Research has shown that when you look at in vitro, research on Moringa, la recherche in vitro montre que l'arthrite est réduite par le Moringa. La littérature a également régulièrement montré que le niveau d'énergie est amélioré dans le cas de patients atteints du sida, dans le cas de jeunes enfants mal nourris qui recommencent à jouer, ou de mères qui peuvent à nouveau retourner au champ et reprendre leur travail. Moringa, they became energetic. Kids were able to play. Mothers were able to go to the field to do their works. Comment est-ce que, aux États-Unis, toute cette opportunité est perçue? Est-ce que on en profite suffisamment? In the U.S. right now, there are people who are called baby boomers, people who are over 55 years and above. They are looking for eating health. Aux États-Unis, les baby-boomers, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 50 ans, sont à la recherche d'une nourriture saine. Le Moringa est promu pour améliorer l'énergie. Malheureusement, il n'y en a pas assez. La plupart du Moringa vient d'Inde et pas d'Afrique. Les États-Unis, c'est 350 millions de personnes, dont 50 millions qui sont baby-boomers et donc qui veulent améliorer leur énergie. C'est donc une opportunité pour l'Afrique de vendre aux États-Unis. Si les conditions sont réunies ici au Bénin pour produire, le Bénin peut espérer vendre aux États-Unis. If we have conditions put together here in Benin, we can have people selling Moringa to the American marketplace. Alors, vendre aux États-Unis, c'est un idéal que tout le monde souhaite. Alors, pour aller vers cet idéal, quels conseils pourrez-vous donner au Bénin ou aux décideurs? And we hope that nous espérons que le Bénin va savoir créer la structure qui permettra de vendre à des pays comme la France, la Suisse, l'Allemagne ou les USA. Ici au Bénin, il y a un mouvement d'entrepreneurs sociaux qui a déjà commencé à s'intéresser au Moringa. Savoir qui sont les acteurs, où ils travaillent, ce sur quoi ils travaillent, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, qu'enfin ce système soit créé par les acteurs qui travaillent tous ensemble pour rendre possible l'exportation et que le Bénin devienne un exemple, un modèle en Afrique d'un pays qui exporte le Moringa. C'est mon hope et mon dream que Bénin will be a role model
superbe for the rest of Africa. Et voilà, c'est pratiquement la fin de cet entretien sur TVC Bénin. Professeur Joshua Idassi, un mot rapidement pour finir. Thank you very much. Merci beaucoup for this interview, Monsieur Merville. Et voilà, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'entretien sur Café Carrefour. Merci à Marcel Mouillet qui est resté derrière la caméra avec son assistant Florent Adeau pour la réalisation donc, de cet entretien. À très vite. Merci aussi à toi, Alban Mévo, pour donc, l'entretien. Nous en remercions également et donc, au professeur qui a bien voulu donc, consacrer son temps à cet entretien. Eh bien, on ne cessera de le dire. Hein, non, on cessera donc de le dire. Le Moringa, c'est vraiment beaucoup de vêtu. Je crois que tout au long de cet entretien, le professeur est revenu sur ce que cela représente, ben sur oui. Les valeurs nutritives et tout ça. Et je crois aussi que tout le monde le sait quand même aujourd'hui, hein, de ce que, comme on le dit, c'est une plante à mille vêtus. Et autant bénéfique pour les hommes et que pour l'environnement. L'environnement et les animaux également. Donc, que des bienfaits, hein, pourquoi ne pas cultiver. En tout cas, on dit que chaque femme devrait avoir au moins 2 pieds de moringa dans sa cour. C'est toujours bénéfique. Merci beaucoup.